j'ai écrit ce livre sur Senghor pour qu'on ne l'oublie pas. Voilà. On aurait tendance à le faire, que ce soit au Sénégal ou que ce soit en France. Je pense que Senghor est un homme qui a apporté beaucoup. D'abord, il faut dire une chose. Senghor était un négro-africain, comme il aime le dire. Il a, avec Césaire, approfondi le concept de négritude. Il a, d'autre part, il s'est ouvert sur toutes les autres cultures, en particulier sur la culture française, dont nous célébrons en ce moment la fête, c'est-à-dire l'anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Et il faisait du français le fondement de la francophonie. Il a, sur ce plan-là, disons, défendu le français au XXe siècle comme vraiment personne ne l'a fait. Il l'a fait avec son génie propre, avec sa culture propre et avec, disons, une connaissance, une technique. Et il a utilisé le français sur tous les registres. Il s'est fait poète et c'est ce qu'il préférait entre tous, cette qualité de poète qu'il a fait. Et si on lit son recueil de poésie, on verra tout de Senghor dedans. Il s'est fait poète, il s'est fait homme politique, utilisant le français au Palais Bourbon avant la décolonisation, comme véritablement, je dirais, personne ne l'a fait, il s'est fait promoteur de la langue française. Et je pense qu'en ce 20 mars, où l'on célèbre l'anniversaire de la francophonie et de la langue française, il convient de le dire et d'insister là-dessus. Et il a utilisé la langue française, il en a vanté les qualités. Et lui, président de la République, il a pris le français pour un partenariat avec le Wolof pour installer le bilinguisme à l'école et dans la société. Si vous voulez, ce que je peux dire sur Senghor, c'est cela. C'est cela. Bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais enfin, je crois qu'il faut ramasser ça, résumer ça. Il a construit l'État sénégalais, par exemple. C'est lui qui a créé l'État sénégalais. L'État sénégalais qu'il a voulu démocratique, social et laïque. C'est important. Une des particularités de Senghor, c'est que Senghor, en 1951, a été réélu député français du Sénégal dans un pays, lui catholique, dans un pays à 90% musulman. C'est une référence qu'il faut signaler, car c'est en ces temps que nous vivons, c'est très important.